Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent mois de mai. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on ira voir avec l'oracle chakra du cœur ainsi que l'oracle des nombres. Et puis on va développer avec un tarot et j'ai choisi le Crystal Vision Tarot. Ok, et évidemment, on approfondira aussi un petit peu avec un Lenormand, et c'est les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et puis, on conclura avec un message de l'oracle d'âme à âme. Allez, c'est parti. Donc, pour vous, les Sagittaires. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis si ça vous parle pas du tout, c'est que bon bah le message est pas pour vous tout simplement. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, à ce moment-là, vous allez faire un tour sur mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Donc pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour ce mois de juin, au niveau relationnel et sentimental, bah dis donc. Alors, les Sagittaires, pour relationnel et sentimental, pour ce mois de juin, quelles sont les énergies pour vous? Et vous avez la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc, il y a une forme de lâcher prise. On vous invite vraiment à faire... Oui, voilà, à lâcher prise, à faire confiance, vraiment, à être dans une zone où vous vous sentez en sécurité. Vous vous dites que finalement, peu importe ce qui peut arriver, voilà, je me sens bien, je me sens prêt ou prête à affronter ou à tout simplement accueillir ce qu'il y a à accueillir finalement. Parce que vous savez que tout ce qui peut venir, quelque part, c'est ce qui va vous aider à progresser et à avancer hein, dans votre évolution personnelle. Donc vous êtes ouvert dans une énergie d'ouverture pour ce mois de juin, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ok, qu'est-ce qu'on va voir? Alors pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Donc j'ai eu deux cartes qui ont littéralement volé. Ici on va vous parler d'une personne divorcée ou d'une personne séparée au niveau relationnel. Et on vous dit ici que ce n'est pas votre âme sœur. Alors, ici, on vous dit que vous avez peut-être rencontré récemment, ou en tout cas dans votre vie, que vous avez vous fréquentez peut-être une personne divorcée ou séparée assez récemment. Hein. Et là, on vous dit ici, bon... Ok, mais si vraiment vous êtes à la recherche de votre autre, de votre idéal, de votre... alors, l'idéal n'existe pas, mais je veux dire de votre hamster, c'est-à-dire quelqu'un avec qui cheminer un bout de temps, quelqu'un avec qui partager, voilà. Là, on vous dit ici, en tout cas, que cette personne-là, qui est récemment séparée et divorcée, n'est pas la personne que vous... que vous cherchez, ou en tout cas n'est pas vraiment cette personne-là. Alors, j'espère ne pas en décevoir quelques-uns ou quelques-unes, parce que peut-être que vous aviez des projets, ou je ne sais pas. Mais là, si on vient vous dire, si vous vous questionniez, par exemple, sur cette personne, là, on vous dit non, ce n'est pas elle. Peut-être que vous allez effectivement partager des moments, des choses, c'est possible, mais on vous dit, c'est pas vraiment la personne avec qui vous pourriez cheminer. Voilà. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Restez ouvert et ouverte, voilà. Là, c'est ce qu'on vous dit, en fait. Pour ce mois de juin, il y a vraiment en plus cette énergie de se dire, bon, bah, ok, c'est pas lui ou c'est pas elle, c'est pas grave, c'est pas très grave, hop, on va passer à autre chose, vous voyez? Il y a cette énergie de se dire, ok, mais je reste ouvert et ouverte à ce qui peut arriver et tout voilà. J'ai confiance. J'ai confiance. Ok. Alors, pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour ce mois de juin, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juin
Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Énergie. La carte de l'énergie vous parle de votre vitalité, de concentrer votre énergie, en tout cas, de vouloir faire en sorte que les choses... moi, j'ai la sensation que vous allez vraiment mettre de l'énergie à la recherche de votre âme sœur, à la recherche d'une personne, en tout cas, qui correspond vraiment à ce que vous cherchez, enfin, vraiment. Comme je dis, il n'y a pas d'idéal, hein. Mais en tout cas, quelqu'un avec qui ça matche, quoi. Quelqu'un où vous sentez au fond de vous que c'est lui ou que c'est elle, quoi. Donc, il y a vraiment cette alchimie. Et là, j'ai la sensation que soit vous êtes avec quelqu'un, mais il n'y a pas vraiment cette alchimie, ou en tout cas, vous allez vous en apercevoir, ou alors vous n'êtes pas en couple, et à ce moment-là, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un. On vous dit que c'est une personne divorcée, séparée, mais qui finalement, voilà, c'est quelque chose de passager, c'est peut-être une relation passagère. Mais là, on vous dit que vous êtes dans une optique, en tout cas, d'attirer à vous votre âme sœur. Vous voyez ? De vous rapprocher peut-être plus de votre idéal. Bon, on va en savoir plus ici. Avec quelle énergie vous entrez, avec quel état d'esprit vous entrez dans ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental, les Sagittaires ? Allez, on va regarder avec quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Oh. Eh ben, j'ai la sensation que vous vous accrochez. Vous vous accrochez peut-être à cette fameuse personne, à cette relation, je dirais, que vous n'avez pas franchement envie de laisser partir, peut-être par peur de la solitude, par peur du célibat, par peur de se tromper, tout simplement. Voilà, j'ai la sensation que là, en ce début de mois, vous n'êtes pas prêt ou prête à accepter une séparation ou le fait de lâcher prise. Peut-être que vous gardez peut-être des choses pour vous aussi, hein. Vous savez que ce n'est pas votre âme sœur ou en tout cas la personne avec qui vous... Mais vous ne dites rien, vous êtes peut-être sur la réserve encore parce que justement vous avez peur de prendre une décision peut-être trop hâtive. Donc on va voir. Avec cette 4 de denier, qu'est-ce qu'on a avec la 4 de denier ici ? Le chariot. Ah, j'adore ! Le chariot, c'est le conquérant, hein ? Donc, en fait, vous, ce que vous voulez vraiment, c'est ça. C'est vous partez à la conquête, à la recherche de vraiment une relation, mais qui matche, quoi, qui vous convienne. Vous mettez tous vos efforts là-dedans, parce que le chariot, c'est vraiment, on met toute son énergie là-dedans, et c'est ce que je ressentais ici avec la carte de l'énergie, hein. C'est que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment trouver la personne, votre idéal, quoi, hein. Ou en tout cas, si vous êtes en couple et que quelque part, vous êtes tenté peut-être par une autre personne récemment divorcée et là, on vous dit non, hein, c'est pas votre âme sœur. Alors, on vous dit non, ben, on vous dit pas de fréquenter ou pas cette personne. C'est juste qu'on vous dit, ce n'est pas votre âme sœur, mais voilà, si vous avez envie de cheminer avec cette personne, vous pouvez bien sûr, hein, évidemment, vous avez votre libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut, heureusement. Mais là, il y a vraiment cette idée, en tout cas, vous gardez des choses pour vous, et j'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment partir à la recherche de la personne, ou en tout cas de la relation, hein, de la vraie relation avec qui vous pouvez vraiment vous sentir bien et vous sentir... épanoui. Ok. Quelles sont les situations à éviter pour vous, les Sagittaires ? Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Le pape, alors le pape inversé. Dans son aspect inversé, le pape ici vient nous dire de manquer un petit peu de sagesse, de manquer un peu de maturité. Le pape en général c'est l'enseignement, ça peut être un guide aussi, mais là j'ai la sensation que on vous dit surtout ne vous laissez pas influencer ou peut-être guider en fait tout simplement par des personnes extérieures. Il y a quelque chose que vous devez apprendre par vous-même. Moi j'ai la sensation que c'est plutôt ça en fait le message ici, c'est que On vous conseille de ne pas faire forcément appel à des personnes qui pourraient vous guider.
Peut-être demander l'avis de votre entourage concernant telle ou telle personne. Voilà, de pas forcément vous laisser influencer. Ouais, j'ai vraiment la sensation, le sentiment d'être influencé. Ne vous laissez pas influencer par certaines personnes qui pourraient avoir comme ça un pouvoir un petit peu de persuasion ou... Mais le pape, ça peut être également, vous savez, vos croyances ou votre... comment on appelle ça? Votre cadre de référence. Vous voyez? Vos convictions, votre cadre de référence, quelque chose qui... une sorte de morale. Là, on vous invite surtout à ne pas être dans ce cadre-là. Je ne sais pas, si par exemple, vous êtes déjà en couple et qu'il y a... une potentielle troisième personne qui viendrait, voilà, on vous dit, mais ne vous culpabilisez pas, ne rentrez pas dans un cadre moralisateur, faites-vous confiance, en fait, voilà, essayez de vous faire confiance. Si vous êtes en couple avec une personne et vous ressentez que ce n'est pas votre âme sœur, ben, c'est pas parce que vous vous êtes engagé avec cette personne-là que vous ne pouvez pas revenir sur votre décision, hein, et voilà, en gros, c'est un peu ça l'idée. Et en plus, nous avons l'énergie de la 5 d'épée, où on vous invite surtout à ne pas rentrer dans un conflit. Voilà. Évitez à tout prix les tiraillements, les disputes, tout ce qui pourrait représenter ouais, tout ce qui peut être source de disputes, des sujets peut-être à éviter avec, avec une personne. Voilà, on vous invite surtout à ne pas vous laisser... influencer et en même temps à ne pas rentrer dans une situation conflictuelle. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait aller vous pousser dans vos retranchements pour savoir des choses et quelque part pour vous manipuler un petit peu ou en tout cas pour pouvoir essayer de contrôler quelque chose. C'est très étrange, hein. Moi, j'ai la sensation qu'il y ait... C'est possible qu'il y ait une personne un petit peu manipulatrice en face de vous. Qui cherche un peu à vous dominer, et, mais dans la subtilité quand même, hein, avec la morale, quelqu'un d'un peu moralisateur, quelqu'un qui va vous reprocher des choses, et du coup, qui va vous mener à la dispute. Donc, ne vous laissez pas, je dirais, embarquer là-dessus. Voilà, ce qu'on vous dit surtout, ne vous laissez pas influencer, et ne rentrez pas dans les disputes ou les conflits inutiles. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Quelles sont les situations à éviter? Bon, ben là, on l'a vu, la situation à éviter, mais on va voir encore qu'est-ce qu'on vous conseille. Alors, ici, nous avons le roi de deniers qui, lui, nous parle de stabilité, d'ancrage. On parle aussi de quelque chose qui a une certaine longévité, quelque chose de... une situation stable. Une situation stable, une situation assez confortable aussi, je dirais. Hein. Il y a quelque chose au niveau... ouais. D'accord, j'ai compris. Donc là, ce qu'on vous dit ici, avec ce roi de denier et la force inversée, pour moi, c'est que vraiment... vous pourriez vous sentir un petit peu piégé par votre zone de confort, peut-être par votre situation... si vous êtes en couple, par exemple, hein, ça marque beaucoup pour les couples, de rester dans un couple et vous vous apercevez finalement que c'est pas forcément votre âme sœur, du moins la personne avec qui vous voulez continuer à cheminer. Mais quelque part, vous n'avez pas forcément la force de sortir de cette zone de confort. Parce que c'est plus confortable de rester comme ça et finalement... plutôt que d'essayer de foncer. Hein, parce que vous, à l'intérieur de vous, vous avez envie, vous avez cette énergie de chariot pour partir à la conquête, partir à la recherche, à la conquête d'une nouvelle rencontre ou de quelqu'un, d'une nouvelle relation. Ok. Allez, on va voir maintenant comment... les choses vont évoluer à la fin de ce mois de juin pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, la fin de ce mois de juin. Alors, comment les choses vont se dérouler pour vous? Vous avez le chevalier de bâton inversé. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est pas encore le moment.
Même s'il y a beaucoup d'énergie, en tout cas, qui vous pousse hein, à aller de l'avant, en tout cas à manifester quelque chose, on vous dit quand même que c'est pas encore tout à fait là. Parce que le chevalier de bâton, c'est l'énergie du passionné, hein, du fonceur, celui qui fonce, celui qui va chercher, voilà, il a envie, il a du désir, il a envie d'y aller et il se pose pas de questions, il fonce. Mais vous l'avez en inversé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément écouter le côté un petit peu passionné et passionnel, que vous allez réussir, vous allez rester un petit peu sur place, c'est-à-dire que vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas acter quelque chose. D'accord. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment, vous êtes à la recherche d'un certain équilibre. C'est-à-dire que il y a une situation effectivement qui n'est pas le reflet, une relation hein, pour moi, qui n'est pas le reflet de ce que vous aimeriez et que vous êtes constamment en train d'essayer de chercher l'équilibre dans cette relation et vous vous apercevez finalement que bah, vous aspirez à autre chose en fait. Il est possible hein, que pour certaines personnes, vous soyez en couple et vous aspirez à autre chose, tout simplement. Vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes bah, ne vous convient plus, vous n'êtes plus trop sur la même longueur d'onde, ou alors vous avez fait une rencontre et on vous dit ici que c'est pas forcément cette personne-là, mais que c'est pas grave, il faut pas se décourager si vous recherchez toujours la personne de votre cœur. Voilà, là il y a vraiment, en cette fin de mois de juin, j'ai l'impression que vous avez du mal à avancer, en tout cas. Vous avez du mal à. C'est comme si vous avez freiné un petit peu les choses pour pouvoir rééquilibrer ou tenter de rééquilibrer une situation. Allez, on va voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'on peut savoir de plus au niveau concrètement pour vous. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Vous avez le cavalier, le chevalier ici qui nous parle de mouvement et de nouvelles peut-être. Une invitation, une nouvelle, quelque chose, une nouvelle information qui peut venir justement vous apportez la clé, vous apportez la solution à une situation qui vous paraît bloquée. Quelque chose que vous gardez pour vous, ben là, il y a peut-être l'idée de sortir un peu de cette emprise, ou en tout cas de ce. Parce que c'est vous qui ne lâchez pas. Vous vous accrochez à quelque chose ici, et pourtant vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de conquérir, vous avez envie d'y aller. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Et là, on vous dit qu'il y a une nouvelle qui va apporter cette solution, qui va vous apporter la solution, la réponse à votre question peut-être aussi. Peut-être que vous attendez une réponse. Ici, nous avons la femme réfléchie, la femme romantique aussi un petit peu, hein, qui est perdue dans ses pensées. Donc on est sur le fait, en tout cas, de. D'avoir l'occasion, parce que ce personnage ici, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous, et avec la carte du trèfle, j'ai la sensation que vous êtes vraiment dans un moment, dans une période d'ouverture, dans une période un petit peu de heureux hasard, comme si vous avez la chance, vous savez, une période un petit peu de chance comme ça, d'opportunité qui pourrait se présenter à vous. Vous avez des réponses à des questions. Pour moi, vous vous questionnez par rapport à quelque chose que vous ne voulez plus, mais pourtant vous vous y accrochiez encore. Pour moi, c'est une relation. Vous avez du mal en fait à passer à autre chose, hein. Et là, on vous dit que vous avez l'opportunité, en tout cas, de mieux comprendre ce qui se passe et vous donner l'opportunité et la chance d'expérimenter. Oui, d'accord. Donc, de passer de la femme réfléchie, c'est-à-dire la femme pensive, voilà, qui réfléchit et tout, à la femme passionnée qui, elle, va plutôt être dans l'action. On a le signe ici. Donc on est plutôt dans l'action là. Là, on est sur le pouvoir féminin, la séduction aussi. Il y a la notion de. Ici, avec la tour, il y a cette notion de solitude, mais pas forcément de la solitude. J'irais plutôt de faire les choses, mais
seule, c'est-à-dire de réussir à franchir un cap. Et pour moi, c'est cette fameuse zone de confort ici que vous avez du mal à quitter. Parce que peut-être la peur de se retrouver seule, la peur de ne pas y arriver seule, par exemple, la peur de... voilà, ça peut être tout un tas de choses qui ont un rapport avec le fait de s'accomplir seule. Peut-être que vous n'avez pas vécu seule depuis très longtemps. Et du coup, vous vous sentez un petit peu... c'est difficile à quitter cette zone de confort, surtout si vous vivez avec quelqu'un depuis très longtemps. Changer ses habitudes, redevenir célibataire au bout d'un certain temps, bah oui, ça peut faire peur, ça c'est compréhensif. Oh, ok. Bon, moi pour moi, le soleil et le temps. On me dit ici qu'en tout cas, vous allez y arriver. Hein. Ne perdez pas espoir si vraiment c'est ce que vous ressentez. Alors moi, j'ai vraiment la sensation qu'on est là-dessus, sur une relation qui n'est pas pour vous. En tout cas, vous vous apercevez que finalement, cette relation n'est pas pour vous. Vous aspirez à autre chose. Voilà. Donc, la peur de se retrouver seule va vraiment être... va sûrement vous suivre pendant ce mois de juin. Et du coup, vous allez vous peut-être, pour certains en tout cas... être vraiment dans des situations de découragement. Mais on vous dit que vous avez l'opportunité et la possibilité d'avancer, en tout cas, d'avoir vraiment cette impulsion pour pouvoir acter les choses. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il va vous falloir un petit peu plus de temps pour pouvoir réussir à passer le cap. Donc, ce sera certainement pas au mois de juin que vous arriverez peut-être à prendre cette décision. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Et en même temps, il y a cette idée de... J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc, quelque part, c'est que... Il va falloir affronter ce côté prendre les choses en main seule et réussir et décider à passer à l'action. Il va falloir... Il va falloir prendre sur vous, il va falloir y aller, je pense. Hein. Mais peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'il vous faudra plus de temps parce qu'on parle de réussite ici avec le soleil. Hein. C'est voilà, la réussite, c'est le fait de réussir en tout cas à mener à bien vos envies et votre objectif. Mais ça va vous demander un certain temps. Ok. Bon. En tout cas, beaucoup de réflexion. Ça va vous prendre certainement de l'énergie, hein. Vous allez consacrer de l'énergie en tout cas à cette réflexion, à mieux observer ce qui se passe dans votre relation et ce que vous surtout vous ressentez, ça va être important. Mais en même temps, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui bougent et je pense que vous allez comprendre vite le pourquoi du comment. Et en plus, on vous dit ici, avec l'oracle d'âme à âme, que vous avez les ressources intérieures pour y arriver. Vous disposez vraiment de toute l'énergie, c'est ça aussi l'énergie. Vous disposez de toutes les ressources nécessaires pour réussir à surmonter n'importe quelle difficulté. On vous dit que vous êtes largement capable, que vous avez vraiment tout à portée de main aussi. Si vous êtes dans le questionnement, on vous dit que vous avez les solutions à portée de main. Il y a plein d'opportunités autour de vous. Maintenant, il faut savoir les saisir et ouvrir l'œil, voilà, aussi. Parce que les abeilles, ici, c'est symbole d'abondance, vous voyez. Donc, si vous êtes à la recherche de réponses à vos questions, elles sont à disposition. Vous avez les ressources intérieures. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous, hein, en fait. Vous avez toutes vos réponses et tout ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Donc là, on vous invite vraiment à être dans l'introspection et à vraiment regarder ce que vous ressentez, ce que vous désirez, le pourquoi du comment et où est-ce que vous en êtes et comment est-ce que vous pourriez améliorer ce que vous souhaitez. Mettre en place vos projets ou vos objectifs. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Et je vous dis à tout bientôt !